Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, la petite minute historique, on va la faire sur... une petite minute historique courte sur l'artisanat de tranchée avec Nanou. Ça va, Nanou? Oui, ça va très très bien. Bonjour tout le monde, bonjour tous les abonnés et puis les nouveaux à venir. Oui, alors tous les nouveaux abonnés, là, nos anciens. Vas-y, alors essaye de nous faire une petite minute là-dessus, alors. Voilà, alors, donc, l'artisanat de tranchées. Hein. Le poilu bricole beaucoup dans les tranchées, principalement pour améliorer la vie et l'armement. Les poilus fabriqueront des grenades, des couteaux de combat, des ustensiles comme des lampes et des coupe-papier, mais aussi des bagues à partir de morceaux d'aluminium et de cuivre provenant des obus. C'est ainsi qu'avec leurs couteaux et leurs trousses de couture commence l'artisanat tranché. Au fil des ans, cet artisanat devient plus sophistiqué et on voit apparaître des briquets et surtout l'éternel obus gravé de la provenance était allemande, ce qui évitait le détournement du matériel militaire français. Ces artisans poilus étaient pour la plupart issus de milieux agricoles où ils avaient appris à façonner dès leur plus jeune âge toutes sortes d'objets dans leur ferme. L'artisanat est devenu très populaire et aujourd'hui encore, les collectionneurs en recherche. Bon, voilà, hein, c'est court. Bon, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'objets, on peut pas tout citer. Voilà, c'est énorme. Le principal, c'est que, on vous a donné un petit peu de renseignements. Il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui collectionnent ce genre d'objets. Bon, c'est vrai que nous, quand on en trouve un en détection, on est super content parce que là, on l'a trouvé directement dans la terre. Ça a vraiment appartenu à quelqu'un. Oui, est-ce qu'on avait trouvé il y a peut-être une ou deux semaines, c'était des restants de découpe dans du cuivre. Ah oui, je m'en souviens, c'était Florian qui avait du cuivre. Oui, exactement. Bon, écoutez, voilà, cette minute est faite. Maintenant, ce week-end, on va bien voir ce qu'on fait. Et puis, espérons qu'on va faire des petites trouvailles insolites, intéressantes. Vous avez vu, on sort pas de fusil, on sort pas de tout ça, mais est-ce qu'on aime bien, nous, c'est trouver surtout des choses qui ont appartenu, des choses un peu insolites, des choses qu'on trouve pas, enfin, que nos collègues autres détecteurs aiment, il y en a, ils aiment que les armes, que les trucs comme ça. Nous, on aime tout ce qui est personnel. Bon, voilà, allez, c'était pour la petite info, on y va ? On y va. Allez. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, avant de commencer, j'ai une dédicace à faire à... Pochon Geffroy, on te remercie pour avoir trouvé le bouchon qu'on avait mis sur notre page Facebook pour le refroidisseur d'huile MG. Alors merci à toi. Une petite dédicace à Enzo aussi qui m'a téléphoné pour me dire Marco, ça fait je sais pas combien de fois qu'on en trouve. Vous savez ces fameuses attaches qui vont sur les roues de canon de 75. Alors Enzo. Merci. Merci, merci. Bon alors, aujourd'hui, gardez son beau chapeau, Nanou, mon ami de Bouzol. Son beau chapeau. Bon, Christian, c'est bon les moustiques, ça va? Ça va, commence. Bon, alors Christian et Florian. Alors on va aller voir un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Ils avaient annoncé de l'eau, mais on a de la chance. Hein, il fait vraiment beau. Pour l'instant, ça se tient. Tant mieux pour nous. Bon, allez, on y va? C'est parti. Allez, c'est parti. Oh, bon Flo, première sortie. Ouais, première trouvaille. Une cartouche de Lebel? Ouais. Ouais. T'as la date? Non, c'est trop abîmé. Ouais. Bon, ok, écoutez, c'est la première sortie, on va continuer. Bon, mon Christian, il m'appelle. Faire un cheval. Faire un cheval. Bon, ça portera bonheur. Hein. Ça me dit très bien. Bon, on le dédie à qui, ça? Moi, j'aurais le dédié à Enzo. Bon, Enzo, on te le dédie. Ouais. Oui? Alors, Florian, il m'appelle. Et là, on a un restant, vas-y. C'est une botte allemande. Ici, restant de botte allemande. Ouais, il y a un fer, là. Ouais, il y a un fer juste là. Bon, écoute, continue à fouiller, on verra bien. Bon, Florian, qu'est-ce qu'il y a dans ce trou-là? Alors là, poignée de caisse allemande. Ah oui, disons, oui. Elle bouge encore. T'en as une, deux? Et là? Ah, la deuxième. La deuxième juste à côté. Ah oui. Ouais. Bon, ça, on va le dédier à tous nos abonnés. Hein. Allez. On vous le dédie. Vous avez vu, ils déteignent bien quand même, hein. Bien. Ouais, deux belles poignées de caisse. Tu fouilles encore un peu, ouais. Ça sonne quoi, non? Non, c'est du bois, après. C'est du bois, ouais. On aurait qu'une semelle, hein. Allez. Non. Non. Passe quand même le Deus ou ce que tu veux.
Bon bah écoutez, on va continuer avec ça. Non. Ah si. Oh, c'est peut-être des restants de. Non, ça va être des coups. Non. Non. Bon bah écoutez, on continue. Bon, bon Florian, qu'est-ce qu'il y a dans ce trou-là? Alors là, poignée de caisse allemande. Ah oui, disons, oui. Elle bouge encore. Hein. T'en as une, deux? Et là? Ah bah la deuxième. La deuxième juste à côté. Ah oui. Ouais. Bon bah ça on va le dédier à tous nos abonnés. Hein. Allez. On vous le dédie. On vous... Bien, vous savez, ils déteignent bien quand même. Hein. Bien. Ouais, voilà. Deux belles poignées de caisse. Tu fouilles encore un peu, ouais. Ça sonne quoi, non? Non, c'est du bois après. C'est du bois, ouais, on aurait qu'une semelle. Non. Non? Pas quand même le Deus ou ce que tu veux. Bon bah écoutez, on va continuer avec ça. Non. Ah si. Oh, c'est peut-être des restants de. Non, ça va être des coups. Non. Non. Bon bah écoutez, on continue. Michael Croza, il nous sort cette pièce. Un objet. Vas-y, tourne-la un peu dans. Il y en a qui savent un peu ce que c'est. Au début, je pensais moi à une. Un grand porte. Un grand porte, mais monte un peu dans le fond là. Ça paraît un peu bizarre quand même. Tourne-le. C'est bien conservé en tout cas. Tourne-le dans tous les sens. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Bon, bah, on verra bien. Parce que mon Christian est sorti là, fer à cheval. La Dobu, bon ça la pièce un peu insolite là. Bon bah écoutez, on fait ça dans la joie et la bonne. Meurs. Bien mes enfants. Mico. Un morceau de poêle. Ouais, c'est de la fonte. Ouais. Ouais, ouais, c'est récent. Ouais, ouais, ouais. Bon bah écoute, c'est. Ouais, c'est toujours une nouvelle trouvaille quoi. Allez, on continue. C'est mon ami de Bouzol en plein travail. Oh. On a un gros son là, mais bon, il est pas quoi. Hein. Je pense qu'on vous reprendra après parce que là. Je pense que tu as une racine dans le fond, tout à l'heure j'avais cru entendre craquer. Bon, bon on va vous reprendre si c'est intéressant. Alors regardez, une tôle encore plantée droit dans la. Dans le sol. C'est Christian qui l'a trouvé. Bon, on va pas la sortir, hein. C'est pas la peine de se. Ce... C'est un travail de titan ça. Là, ça arrivait à peu près à 70 cm de profondeur. On a comme une tôle au fond, enfin un gros truc métallique au fond. On va regarder si c'est pas le restant de la. La cuisinière qu'on a le bout qu'on a trouvé tout à l'heure, on n'en sait rien, mais on va voir, on verra bien. On continue. Si c'est intéressant, on vous reprendra. Mais on aperçoit quelque chose. Combien tu dis, Florian, d'épaisseur à peu près? Il y a bon 2 cm. Un bon 2 cm quand même. C'est pas un rebord, c'est bien 2 cm d'épais. Ah ouais, c'est bien 2 cm d'épais. Ouais, bon, bah écoutez, il va falloir agrandir. Là, il y a du boulot. Hein. Allez, on va continuer, on verra bien. Alors, ils sont toujours dans le trou, là. Regardez, là, il est carrément dedans, là. Hein. Et on n'arrive toujours pas bien à voir ce que c'est. Ce qui nous fait rester, c'est parce que c'est l'arrondi qui est là-bas. Sur tout ça. Bon, bah, si c'est une tôle, c'est une tôle, hein, tant pis. Hein. Mais ça paraît épais pour une tôle quand même, bon, c'est comme ça. Allez, mon Florian, courage! Toute la France te regarde là, hein, Florian. Allez, tu fais ça dans la joie et la bonne. Il meurt. Bien. Eh oui, monsieur de Bouzol, il est toujours là, lui. Hein. Bon, il donne un coup de main, là. Un petit bonjour à monsieur Tuche, son directeur. Ouais. Bon, bah allez, on vous reprendra. Alors, regardez. On y est. Enfin, on y est, non, on y est pas du tout. On est toujours dans. Le mien, il est là-bas. On sait même pas ce que c'est encore. En chiffre, hein. Ouais. Mais c'est creux en dessous, c'est plein, ça descend. Non, là c'est creux. C'est creux de partout. Ouais. Ouais, c'est creux de partout. Bon, on va essayer de le sortir. Enfin, pas de le sortir encore, parce que là, c'est encore trop pris, ça. On verra bien. Allez. C'est le mien là-bas. Bon, mon Christian, il rentre de patrouille. Qu'est-ce qu'il nous a trouvé, mon Alors, Christian voilà, un embout de ceinture. Ouais. Une boucle. Ouais, boucle, ouais. Un peu de cuir, bon, il se dégrade. Bouchon ouais. De toute l'allemande. Ouais, ici. Ça, j'en ai trouvé pas mal. Des anneaux de tente. Ouais. Par contre, ça, je sais pas ce que c'est.
On dirait. Je sais pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est. Ouais, c'est pas toujours évident là. Je vois pas. Je sais pas du tout, c'est trop là. Bon, on verra bien. Voilà. Ouais. Bon, et puis eux, ils sont toujours. Ils sont toujours là. Dans leur abri. Dans leur. Ouais, en train de creuser parce que là. Sur le côté en bas là, juste sur le côté en bas là, ici là. Alors, on a une paroi. Alors, est-ce à poil de tranchée? On ne sait pas. Mais comme dit Mika, il faut savoir ce que c'est. Ouais, allez. Bah, maintenant qu'on est près du plus de la moitié de. Ouais, je pense qu'il faut y aller. Terre, ouais, parce que là, c'est profond quand même. Et bon, pourquoi ça serait. On continue. Du fil de cuivre aussi. Ah, fil de cuivre. Ah, tout à l'heure, cartouche allemande dedans. Ouais. Ah, ouais. Là, il y a une super grosse poule. Bon, on va voir. Alors, Mika, il commence à arriver à le bouger un peu. Ça y est, doucement. Va pas te blesser. Retourne-le doucement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça tombe, c'est un pied de poêle en bas. Et le haut. Attends, Mika, t'escanne pas. Il y a du bois. Il y a du bois? Ouais. On dirait bien, ouais, bon, ça y est, j'ai trouvé. C'est un feu. Regardez. Là, dégage juste là, Mika. Ça, c'est de la fonte. Dégage là, à mon avis, c'est un feu, ça. Ouais, c'est ça, t'as une bordure là. Vas-y. Pour le couvercle. Ouais, il me semble. Ouais. Attends. Prends ton tournevis ou n'importe quoi, normalement c'est solide. Là, tu peux y aller. Ouais, je cherche pas, c'est ça. Ça a l'air d'être un petit feu de tranchée. On dirait, hein. J'ai bien l'impression, moi. Bon, on va le nettoyer un peu. Bon, il est cassé. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est un poil de tranchée, ça. Bon, bah écoutez, ça fait une heure qu'on était là-dessus. Bon, ce sera toujours à dépolluer. Hein. Bon, on va vous reprendre une fois qu'on l'aura nettoyé un peu. Bon, là, on l'a sorti. On est en train de le nettoyer un petit peu pour voir. Et là, Mika est d'accord. Oh, je pense que attention pas de couper toi. De quoi avoir. Ouais, tiens, regarde, c'est pas un pied là. T'es là. Si c'est ça. Tiens, regarde, c'est bien ça. Bon bah y a pas à chercher. C'est bien un poil de tranchée. On voit bien le pied là. Ah, ouais, le pied est là. Attends, relève-le, je vais. Attends, bouge pas. Ouais, voilà. Le pied du poil. Bon, bah écoutez. Hein. Encore une belle trouvaille personnelle, ça, hein. Bon, bah allez, on va finir de le nettoyer, alors, et puis essayer de l'amener au véhicule. On a fini notre trou là-bas, Mika, il vient là. Et qu'est-ce que tu nous trouves? Coupe barbelée. Ouais. Allemand. Allemand, ouais. Je n'ai pas encore trouvé des comme ça. Allez, moi, je ne l'ai pas encore trouvé des comme ça. Bon, bah écoute, une belle trouvaille. Ouais. Bon, cool. Alors, mes enfants, on le dédie à qui? À Tony. Ouais, allez, Tony, on te la dédie. Toi, qu'est-ce que tu vas encore nous sortir comme connerie? Oh là là, une roue. Roues de secours pour le 4x4. Bon, ok. Allez, on continue. Alors là, on a un nouveau son. Mika, il est encore en train de le voir, puis il va dire, bon, ça a encore l'air d'être gros. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Une espèce de pieu, de... Hein? Bon, bah ouais, on sait pas trop. Allez. Bon, bah c'est bien. Christian, tu rentres de patrouille, dis-nous tout. Oui, et ben voilà. Un joli fourreau de baïonnette, un coup de chou. T'as foutu un coup de bâche dessus. Parce qu'on m'a dit à table, j'ai pété dans le bordel. Oh merde! Voilà, je suis très attristé d'avoir. Ouais. Tu sais que ça pourrait valoir 3 points quand même, ça. Mais bon, tu vas t'excuser. La prochaine fois, je l'ai fait disparaître sinon. Ah ouais, bon, c'est vrai. Bon, je vais pas te mettre 3 points. Non, c'est bête, une belle trouvaille. T'as pas trouvé rien à côté? Je retourne. Bon, bah ok, bah on va manger, puis on y retourne après. De toute façon, le baïonnette, il était plus. Voilà. Alors, il y a des fois, des gars, ils me disent vous devriez vous filmer en train de manger. Alors, sachez qu'on mange des sandwichs, hein, des chips, des trucs tout simples. Tout simple. Il faut grave arriver. Ouais, mais bon, on attend le traiteur. Ouais. Bon, bah écoute, alors après, qu'est-ce que ça trouvait d'autre? Des petites brutes, tiens, un truc de vareuse de allemande, là. Ah oui, oui. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Le fameux bouchon de la. Un bouton. Merde, grenade à manche. Ouais. Ah, couronne. Ah oui, on dirait bien, ouais. Attends, j'ai une petite brosse, nylon, on va regarder. Bon, bah écoutez, on va bien voir. Bon. Alors, le petit bouton après nettoyage. Allez, s'il est tout beau. Bon, bah écoutez, ce coup-ci, on mange, hein, parce que là, j'ai faim.
Allez, on y va. Il y a des gens qui se plaignent qu'on montre jamais le repas. Regardez, ça c'est un pâté de lapin que Mika il a fait, hein, qu'on va se mettre sous la lampe. Regardez Christian, il a déjà préparé. Ah. Ouais, c'est du sandwich. Moi, j'ai, mort, regardez. J'ai du saucisson. Bon ben c'est là, il y a Monsieur Tourtel qui est là. Il y a les chips. Oui. Là, voilà, allez, là, la cantine. Voilà. Et puis là-dedans, ben, on a le pain. Bon ben allez, on va aller faire nos petits sandwichs. Hein. Bon Christian. Là, j'ai trouvé ça, je sais pas ce que c'est. Honnêtement, je sais pas. Monte un peu, c'est dessiné. Ah, c'est, on voit que c'est travaillé, mais bon, c'est. T'en as trouvé deux ? Deux. Près du four de baïonnette. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas si c'est militaire quand même, ça, mais ça date, hein, c'est du cuivre. Du cuivre, du tout. Bon, bah écoute, hein, on verra bien. Bon. Ok. Bon, bah allez, on va continuer. Ouais. Bon, mon Christian, il y a quelque chose encore là. Je sais pas ce que c'est. Hein. On dirait du cuivre, non ? Je sais pas. J'espère que c'est pas une brique. Ah ouais, qui sait quoi ? Attends. Possible. Ouais. Ouais. C'est possible que ce soit une brique. Ouais, on dirait même une brique. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Bon, vas-y, sors-le, on va regarder quand même. Ouais, on va sortir. Ouais, des fois, ça peut être trompeur. Les briques, je sais plus. Mais... Non. Peut-être ça qui sonne. Ouais. La brique, non. Hein. Ah, oui, on dirait bien une brique quand même. C'est beau, ouais, c'est une brique, ça. Mais tu dois avoir autre chose, à mon avis. Ouais. Oh, magnifique, ça petit Christian, hein, une belle brique, hein. Une barre. Une barre. Bon, bah, écoute, voilà. Hein. Oh, putain, c'est comme ça, une belle brique. Bon, mon Flo. Ah, Eclipse. En cuivre. Cuivre, ouais, début de guerre. Ouais. Allemand, bien sûr. Bon, bah, écoute, on continue. Et mon Christian, c'est quoi, toi, un restant de boîte de conserve? On dit là, comme ça. Ah, on aurait pu être un chargeur. On aurait pu dire, regarde. On aurait pu dire, ouais. Mais on aurait pu, mais bon, on a le droit de rêver. Hein. On dirait plutôt, eh, moi j'opterais pour un, comme tu disais, Flo, un couvercle de gamelle, Christian. T'as quelque chose là-bas, fais attention. D'accord, un truc, là, ouais. Il bouge, tu peux l'avoir à la main. Ou alors c'est quoi, une brique? Non. Pense, non. C'est une brique. C'est ça qui sonnait, non? Non. Ouais, c'est une brique. Bon, bah écoute, hein. On continue. Bon, Christian, alors? Bah juste après les briques. Ouais, vas-y. Passe. Ah oui, une coupe barbelée encore. Ah, puis elle est encore là d'être en bel état. Hein. Ah, je suis content. Là. T'es contente? Ah ouais. Bah oui. Je peux pas dire que je suis comme vous parce que. Non, attends, ça te trop point ça. Alors tais-toi. Ah, je suis content. Ouais, ouais, pas mal. Pas mal. Ouais, je voulais rappeler à certaines personnes qui m'ont emprunté. Et qui te l'ont jamais rendu. Qui m'ont jamais rendu. Mais cite pas de nom, hein, Enzo. Ah ouais, Enzo. Bon, bah, allez, on continue. Bon, Flo, allez, dis-nous tout. Donc, les restes d'une boîte pour détonateur. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Boîte en bois. Ouais, puis t'avais des trous et puis ils étaient tous les uns dans c'est les ça. Autres. Il y a les trous là. Ouais, ici, voilà, t'en as tout le long. Ouais. Ouais. Et ça sonne encore dans ton trou? Non. Non, bon, bah écoute, bah, c'est encore une belle petite trouvaille ça. Ouais. Hein? Bon bah ok, allez on continue. Bon bah Mika il creuse là, et regardez un peu l'engin de mosse. Fallait pas être feignant pour taper avec ça. Hein. Non. Ouh. Et puis elle fait son poids. Je sais pas comment elle fait, mais il y a bien 5-6 kilos. Oh là là, je sais, il fallait pas être feignant. Hein. Et quand, c'est marrant parce qu'on voit le petit rouge, ça m'étonne que... Le manche. Ouais. Ouais mais à l'époque ils avaient des bons manches, pas ouais, comme je nous. Je pense bien, ouais. Bon bah écoute, c'est une belle trouvaille encore ça. C'est hein. Pas du made in China ça. Non. Et Nanou? Ah bah Nanou elle est abonnée au barbelé là. Bah ouais bah décroche si c'est que du barbelé. Oh oui. Ouais, c'est en surface. Nanou, c'est en surface. Hein. Regardez, Nanou, elle a mis son. Comme nous, hein, comme nous tous. Moustiquaire. Hein. Moustiquaire, oui. On s'est rééquipé. Hein. Bon, bah, allez, on continue. Bon. Voilà, un petit bouton d'alu. Ouais, ça demande brûlage encore. Pas de grande chance. Bon, bah, allez, voilà. On continue. Bon, Mika, il est quand sur une grosse masse, là. Fais gaffe, pète-le pas. Il en a un là-bas. Bon, on va aller voir ça. Bon, Mika, ce qu'il nous a sorti, bon, bah, c'est un rail de chemin de fer. On en est sûr et certain. Bon, allez, on va continuer. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il nous a trouvé de beau. Vas-y. Une balle de revolver. Ah oui, c'est une 9 mm, ça. Ouais. Ouais, elle est bien oxydée à la tête, mais c'en est bien une. Bon, bah écoutez, on va continuer dans la joie et la bonne. Il meurt. Bien, ma petite. Le pouvoir est usé, mais bon. Ouais, ou il est peut-être usé. Ouais, j'en sais rien. Bon, c'est un bouton allemand, quoi. Hein. Je pense, ouais. Ouais, là, c'est dur. C'est dur à voir, là. Bon bah c'est bien, allez on continue. Alors là qu'est-ce que tu nous as trouvé des beaux boutons. Ouais, des boutons allemands. Ouais, attends. Alors bon il y en a plusieurs, hein, ils sont. Ouais, t'en as plusieurs. Et celui-là, 11e régiment. Ah c'est marqué le 11 dessus. Ouais. Ah bien. Et les autres à la couronne. Couronne prussienne. Ah ouais, monte un petit peu celui-là, ça te dérange pas.
Alors le problème, c'est qu'avec la moustiquaire, ça t'enlève... Je sais même pas si je l'ai mis à l'endroit. Ah oui. Regarde, mets-moi le à l'endroit. Parce que moi, je sais pas si j'y suis. Ouais, c'est bon. Il y était ? Alors, attendez, je vais essayer d'approcher. Voilà, je suis peut-être un peu trop près. On verra bien quand on le nettoiera. Bon, bah, ok. Allez, c'est bien. Continue. Trouvaille de Christian, un couvercle de gamelle française. Bon, on n'a que le couvercle hein, pour l'instant. Mais bon, c'est déjà ça. Une belle trouvaille perso. Bon, Christian m'appelle. Vas-y. Française. Belle France. Non. Attends. Je parle bon. Les rivets, ils y sont ou pas ? Je vois rien. Ouais, moi non plus. Je vois rien. Non, j'ai l'impression que c'est une française. Française. Ouais. Il n'y a pas de rivets, hein ? Si. Si, t'as des rivets autour ? T'en as là ? L'impression, là, ouais. Ouais, et puis là, c'est recourbé. Ouais, je sais pas. Ouais. Bon, bah écoute, hein, c'est... on dirait bien une pelle allemande quand même. Ah, c'est. Bon, bah ok. Allez, ouais. C'est une belle trouvaille encore. Alors, regardez ce que Florian il a trouvé. Cette espèce de pièce, là. En haut, il y a une toute petite pointe ici. On croirait qu'il y avait quelque chose de posé pour que ça puisse pivoter. Ah bah attendez, mince. Que ça puisse pivoter ou... On ne sait pas. L'arrière. Là, l'arrière. Et dedans, il y a du bakélite. Là, ça c'est du bakélite, le noir, là. Alors, on ne sait toujours pas ce que c'est. Si je peux, je vais la mettre sur la page du clan des Picards, sur Facebook. Puis vous nous... S'il y a quelqu'un qui sait, on ne sait jamais. Hein. Alors, c'est bien quand vous trouvez, si vous avez une photo pour qu'on comprenne. Hein, et, éventuellement. Ok. Bon, maintenant, après, Mika. Bon, ça, c'est un restant de bidon anglais. Hein, vous voyez, c'est juste un petit bout de bidon. Bon, ben, on continue. On verra bien après si on trouve autre chose. J'espère que ça vous plaira. Abonnez-vous si ça vous plaît. Laissez vos commentaires comme d'habitude. Hein, j'essaye d'y répondre au mieux. Allez, on continue. On a nous, sous ton petit filet, là. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Une boucle de cartouchière. Oui, bien. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui détectent hein, quand tu regardes en militaria. Non, oh, non, vous voyez. Mmh. Oh. Bon, bah écoute, c'est bien, c'est une belle trouvaille, t'es contente ? Ouais. Parce que depuis, on va vous le dire, depuis ce matin, Nanou, elle était sur beach. Et beach qui veut dire plage. Et ici, on n'a pas la mer. Oui, hein? Mais le problème, c'est que j'ai pas été sur beach. Ouais, mais non, mais bon, bah c'est pas grave. Bon, bah allez, on continue. Bon, vas-y, tourne un peu. Regardez ce qu'on a trouvé. Bon, ça. Ça, bon, les chasseurs, ils savent ce que c'est tout, ça. On met ça sur la tête des pigeons pour mettre dans les arbres, pour attirer les autres pigeons, pour pas qu'ils bougent de trop. C'est pas corbeau, c'est pigeon. Trois points à toi. Trois points. Ah oui, ah bah oui, ah oui. Vraiment, alors on trouve de tout hein, quand même. Hein. Et là, vas-y, Florian, n'ayez pas peur. Une lame de faux. Hein. Ouais, c'est une lame de faux, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mon foin, il m'en faut une. Ouais, mais celle-là, elle est quand même mal en point, là. Hein. Ouais. Elle est mal en point. Bon, bah écoute, continue, faut que j'aille voir Nanou. Nanou, qu'est-ce que t'as trouvé ? Un cube de Moser allemand. Ah, tu vois, le réglage est meilleur, là. Hein. Ouais. Ah, c'est sûr que si tu cherches. C'est mieux que la plage. Hein. Ouais, si tu cherches l'eau ici, tu vas avoir des gros problèmes. Le ciel, le soleil, mais pas la mer. Ah, oui, ça, c'est sûr. Allez, on continue. Alors, dans ce trou-là. Mais quand même, après, il dit regarde ce que j'ai trouvé. Regardez, une ampoule. Une ampoule, bon, c'est pas vraiment 6 et 14. Mais regarde la pointe. Regardez, hein, ouais. Regardez derrière. Et regarde puis on a pointe. Une pointe. On a une pointe juste là. Qui où ça a cassé, le verre l'a cassé, il devait y avoir une pointe. Ah, il y avait une pointe. Bah, bon, ça pouvait très bien aller dans une torche allemande. Hein. Les fameuses torches allemandes là. Tu vois rien de marqué pour l'instant ? Non, il n'y a rien de marqué autour. On voit pas bien. Donc c'est un cercle jaune. Bah, on va quand même la regarder pour regarder. Ouais. Bon, allez, on continue. Bon, Christian a encore sorti un objet un peu bizarre là. On ne sait pas ce que c'est très léger. Il y a un clou là. Bon bah écoutez, c'est quoi une nouvelle sortie, mais bon, on n'en sait rien, on sait pas. On continue dans la joie et la bonne ? Bien, mes enfants. Alors ? Bah, un restant de bidon ou hors d'eau, c'est pas trop, mais parce qu'il reste plus que ça. Terre. Ouais, bon bah ok, alors, d'accord. Bon bah ok. On micro t'as de plaintes peut-être ? Les moustiques. Les moustiques, hein, c'est ça. Hein. Bon, qu'est-ce que tu nous as fait sur... Un coin. Oh oui, ça c'est un petit coin de bûcheron, ça. Ouais. Un petit coin de bûcheron, bon, il a morflé. Hein. Celui qui l'a utilisé est peut-être plus vivant. Hein. Ouais, mais le coin, il est toujours là. Ouais. Hein. Bon, bah écoute, hein. Ça t'a plu ? C'est corbeau. 3 points, Mika. 3 points ! Allez, on continue. Bon, Florian, il me siffle. Dis-moi tout. Fourreau de baïonnette. Ah ouais, juste là. Ouais.
Tu l'avais déjà sorti au moins. Ouais, t'en montes un peu. Ah oui, elle est plus petite. Hein. Elle est plus petite que la coupe-chou. Hein. Ouais, fais attention, t'as vu le boulot encore. Ouais, j'ai vu. Ouais. N'y touche pas, n'y touche pas. Ouais. Bah, encore une belle trouvaille là. Hein. Ouais, deuxième fourreau aujourd'hui. Hein, ouais. Pour Christian tout à l'heure. Ah oui, 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 ouais, deuxième fourreau, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, bah écoute, hein, c'est encore une belle sortie. T'as pas trouvé ce qu'il va dedans? Pas encore. Bon. Par contre, il y a des pneus brûlés derrière. Ouais, bah ça, les gens, il n'y a aucun respect dans rien. Enfin, bon, certaines personnes. Bon, bah écoute, hein, on va continuer. Tu vas nous faire ça dans la joie là. Et la bonne humeur. Et tu vas le dédier à tout. Tous les abonnés. Les nouveaux comme les anciens. Allez, on vous le dédie. On vous le dédie. Voilà. Oh, faut tout leur faire apprendre à ces gosses-là. Et aux futurs abonnés aussi. Ah, et aux futurs. Où t'es là. Et aux futurs, oui, bien sûr. Bon, bah allez, on continue. Alors là, Christian, ses petites trouvailles, une petite douille anglaise. Bon, bah tout à l'heure, vous l'avez vu, la fameuse pince là. On dit que c'est au jerrycan. Ouais, ouais, jerrycan ça. Ouais, puis une petite tête. Non, c'est pour me décharger. Ouais, il n'y a pas de danger. Bon, bah voilà. Avant que ça, il creuse bah, juste là. Voilà. Vas-y, dis-nous tout. Bah voilà. Un bouchon de grenade à manche, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Bien sûr, bah, KT. Ouais, bah oui, automatiquement, elle a été dévissée. Ils ont tiré sur la ficelle. Ouais, et il y en a énormément, ce bois-là. Beaucoup. Ouais. Ouais. On continue dans la joie et la bonne. Humeur. Bien, mes enfants, t'as vu, ils sont encore bien réveillés. Ouais, ouais, hein? Ça va, ça va, ils sont pas encore crevés. Ouais. Bon, Mika, s'il commence à faiblir, oh, bah, monsieur Bouzol. Bon, bah, allez, on continue. Bon, allez, vas-y. Reste en douille d'obus. Ouais, c'est ça, dans ce trou-là. Ouais. Y'a plus rien, t'avais regardé au fond. Elle est drôle de forme, hein, la douille, hein. T'as vu? Ouais. Vraiment drôle de forme. Bon, bah, ok, vas-y. Ah, ça suffit quoi? Bon, on va regarder encore un peu. Ah ouais, c'est peut-être vrai. Vas-y. C'est la ferraille à côté. Il y a de la ferraille à côté? Ouais. Bon, tu sais, c'est ça qui... Tu l'as grandi ou pas? Ouais, un peu. Ah, encore quelque chose. Ah ouais, je l'avais dit. Ah ouais. Ah bon. Alors, on va vous reprendre si c'est intéressant. Ici, on trouve l'obus qu'on vous a montré tout à l'heure, enfin le restant. Dans ce trou-là, allez, mon feu, il creuse. Une croix de transport d'obus anglais. Ouais, c'est ça. En fer, par contre. Ouais, c'est ferraille, ça. Ouais. Ouais. Bon, bah écoute, hein, encore une nouvelle sortie. Hein. On va essayer rien d'autre. Ouais, vas-y, on sait jamais. Si, ça sonne encore bien. Boucle. Ouais. Avec un. Non, avec un trou avec un peu de vis là. Ouais, c'est bien possible, puis ça va casser. Et siffle-corps, le bépère. Vas-y, ouvre-le doucement, tu verras bien. Eh, ici flotte, ici flotte. Tu vois quelque chose? Ferraille. Ferraille. Un clou. Hein? Un clou. Un clou? Bon, pas de chance. Un clou. Ah, puis déjà un beau, hein? Ouais. Un beau clou. Et on va Dieu. Ouais, tu parles d'un clou, toi. Bon, bah, ok. Bah, allez, hop. Juste à côté, là. Vas-y. Encore une croix de transport. Encore une. Ouais, encore une. Je me demande s'il n'y aurait pas... Toujours en fer. Toujours en fer. Bon, on va regarder s'il y a autre chose autour. On verra bien. En fer, mais propre. Ouais, ouais, c'est nickel, ça. C'est nickel. Bon, bah, continuons. Sortez de mon Christian, un restant de gourde française. Comme vous pouvez voir. Il y a encore la tâche en haut, là. Ouais, la tâche, elle est encore là. Bon, elle est bien abîmée, hein. Mais c'est quand même un objet personnel, quoi. On va continuer. Alors, mon Florian, il creuse là. Regardez, là. Bon, nous, on pense déjà savoir ce que c'est. Ah, pour moi, c'est une gourde française. Ouais, ça a l'air bien abîmé, bien sûr. Ouais, je vois la soudure ici. Ouais. Bon, bah, vas-y, essaye de la dégager doucement, mais je pense qu'elle est fatiguée. Attention à toi. Vas-y.
Alors tout à l'heure, je vais continuer quand même avec... je vais rester là-dessus. Vas-y mon petit. Bon, on pense pas qu'elle va sortir en bon état parce que ici le terrain elle conserve très très mal. Mais bon, c'est quand même une trouvaille personnelle quand même, hein, ça a appartenu à un gars. Hein. Qui espérons pour lui s'en est sorti. C'est bien son confirmé. Ouais. Une gourde. Un billon, comme on disait aussi à l'époque. Il en chie, hein, vous voyez, regardez. Moi, la caméra est lourde. Hein. Oh là 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 là. Bouzol et puis mon sergent-chef, on ne sait pas où aller. Hein. Ah, bah, voilà Bouzol. Mika, viens. Ouais, tu l'as. Tu l'as. Vas-y. Là, une gourde française, là. C'est ça? C'est ça, une année. Ouais, tiens, regarde, une gourde française, un litre. Regarde, ça appartenait encore à quelqu'un, ça. Il y a encore l'attache. Ah ouais. Ah ouais. Une attache là. Ouais. Et la deuxième. Bon, bah, là. Voilà. Allez, on continue. Oh, mon bouseau, il arrive, regardez là, là. Allez, juste là, regardez, on a encore des traces. Regardez, mon petit bouseau, il revient, il me ramène une magnifique petite horloge hein, d'époque. Sinon, on va avoir du mal à la faire réparer. Que le chef a bien détruit entre deux. Bon, je vais m'enlever 3 points. Allez, je m'enlève 3 points. C'est vrai que je l'ai un peu abîmé. Bon, ça ressemblait à ça à peu près. Ouais, à peu près. Hein. Bon. Il y avait encore l'heure et puis tout, mais bon... Ouais. Si on a un horloger qui est capable de nous dire quelle heure il était quand elle s'est arrêtée, ça nous fait plaisir. Bon, bah allez, on continue. Bon, mon Florian, on arrive dans nos derniers trous. Ouais, une toute petite pioche. Oh oui, dis-donc, elle est belle. Alors, une rainure ici, de chaque côté. Ah ouais. Une rainure là. Ah ouais, ça, c'est les outils de tranchée. Hein. Ouais. Puis elle peut encore servir. Hein. Une boîte juste à côté. Ah oui, ouais. Mais la tienne, elle est... C'est mort. Regarde cette magnifique pioche là. Ah oui, elle est belle. J'espère que les gars ils en ont pas trop chié quand même pour. Je sais pas si elle est de 14. Si. Bouzol, la prochaine fois que tu me dis une connerie comme ça, 3 points. Bah si. Un point en fer au milieu pour te dire. Bah c'était des pioches qu'ils avaient dans leurs équipements. Bon bah écoutez. N'importe quoi toi. Oh lui on va pas pouvoir le garder, je le sens. C'est corbeau. Je sens qu'on va être obligé de recruter tout à l'heure. C'est corbeau. 3 points. Allez, puis dégage là. Bon, bah ok, allez, on continue. Alors, dans ce trou-là, vas-y, tourne-le de l'autre sens. Ouais, on croirait bien un moyeu de charrette, ça, non? Ouais. Et il y a encore de la peinture Ouais. C'est du bois, ça, ou quoi, là? Ferraille. Ferraille aussi, ça? Ouais, on croirait bien un moyeu. Bon, bah écoute, hein, ça va être les tout derniers trous, là. Hein. Ouais. Parce que là, ça commence à fatiguer quand même. Bon, bah écoute, hein, c'est encore une belle sortie. Allez, mets ça là, notre petite pioche. Bon alors, mon Mika. Une pioche? Ah oui, disons, elle est pas très grosse celle-là. Hein. Non, elle est fine. Oh oui, une fine pioche, disons. Elle a de la finesse, elle est belle. Il y a de la finesse, très bien. Très bien. Bon bah écoute, hein, c'est les derniers trucs qu'on va faire aussi, c'est ce que je dis tout le temps là. Puis on va bientôt arrêter quand même. Hein. Ouais. Il est l'heure. Hein. Bon bah allez. Mon Mika, il vient me rechercher, j'étais remonté. Florian, chef. Pas Mika. Oh ouais, faut que j'arrête. Hey, terminer les tourtelles. Hein. Bon, donc faut même chercher. Regardez là ce qu'on a là. On pense deviner, mais on va pas se faire de fausses joies. Hein. C'est toi qui as mouillé le casque. On va pas, surtout pas dire. T'as entendu ce que je viens de te sortir? Ouais. Oh non, mais tu sais celui-là. Hein. Bon, enfin bref, bon, on va regarder après. On va vous reprendre dans sa menu parce que regardez, pause cigarette, ils sont en train de fumer. Bon bah,
Bon, Christian, il va. Allez, bon, allez. On va peut-être essayer de le faire un petit peu en direct sans trop sortir la chose. C'est juste pour le. Voilà, pour le fun, quoi. C'est ça, hein, c'est ça que tu veux dire. Hein. Après, c'est fun, c'est son casque. Ah, bah oui, après. Ah, mais pourquoi tu dis ce que c'est, voilà. Voilà, vous avez vu, il l'a dit. Mais c'est un casque de vélo. Ah, de vélo, voilà. C'est une gourde. Ouais, ouais, qui sait quoi. Hein. Non. Et juste au dernier trou, pratiquement. Hein. Bah ouais, il y a tout le monde qui est reparti déjà. Ouais, ouais. Ah, on était remonté déjà un peu. Il dit remballer, mais je bosse pas demain, moi. Bah oui, c'est vrai que demain, il est en vacances. Ah, mais je vais foutre, hein. Après 7h, on t'a 8h. Bon, allez. Là, je bouffais de la pellicule, là. Allez. Regardez, là, ils sont motivés, là. Hein. Ça, laisse passer, ça, c'est pas méchant. On va pouvoir l'enlever. Allons-y. Ça se parle chemin, là. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais... Putain, c'est une gamée. Ah bon, bon, bon. Oh, j'allais dire celui-là. C'est une marmite, j'imagine. Ah non, là, il n'y a pas trop de doute. Non, non. À la forme, il n'y a pas de doute. Ah non, non, on voit bien. Et là, c'est quand même pas la peinture qui est là. Qu'est-ce qu'il y a là? Pas de la peinture d'origine. Oui, ils sont où, les deux petits boutons de côté, là, les... Enfin, c'est les tétons. Ils sont là, là. Tu les as là, ouais, un... bah alors, il n'y a plus de doute, mes enfants. Il n'y a plus de doute. Ah, oh, putain, mais... Tant mieux, t'es content? Ah ouais, ah oui. Eh ah, bah yo, fin de journée. Dernier trou, hein. Oh là là, dernier trou, eh. Moi j'ai bon, bah allez, je vais aller là-haut. Alors vous allez me faire ça, mes enfants, dans la joie et la bonne. Humeur. Question en 3 points. Ouais, il y a peut-être autre chose. Peut-être, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut faire ça doucement, gentiment, tranquillement. Vous avez quand même eu de la chance parce que je vais vous laisser 2 minutes. C'est déjà pas mal. Il a arrêté là. Il est parti. Ah, et on le fait en direct, hein, parce que... Et quand on regarde bien, il n'est pas si profond que ça, hein. Ah bon, hein, c'est incroyable même. Le haut du casque, il est ouais, regarde. À même pas 10 cm. Hein. Ouais, ouais, 10 cm du sol. T'as la route pour gratter, non? De toute façon, t'as quelque chose en dessous, ouais, quoi. Faire, ouais. Ça s'entend. Ou c'est une racine, ou non, non, c'est autre chose, il me semble. Ah, ouais, j'ai entendu aussi, ouais, ouais. Alors là, il n'y a personne qui dit rien. Bouzol, il n'est pas redescendu, hein. Non. Il est avec sa tourtelle là-haut encore. Bon, heureusement, il n'y a pas d'alcool là, dans les tourtelles. Mais avant, on ne le tolérerait pas ici. Hein. Pas d'alcool. Ah, c'est beau quand même, hein, quand c'est découvert comme ça. Ouais. Bon, c'est un casque. Nous, que ce soit un casque, une gamelle ou quoi que ce soit, mais bon, c'est vrai que le casque, pour quelqu'un qui n'en a pas, ça fait toujours plaisir, quoi. Et il n'a pas l'air abîmé du tout. Hein. Oh non, c'est la nuquière de ce côté-là, donc l'avant il est. Ouais, l'avant il est de. Ouais, c'est là-bas. Il est nickel. Bon, quand il sera dégagé un tout petit peu plus, je vous reprendrai parce que je sais pas où elle en est la carte. Allons-y, on reprend un peu, ça commence à bouger. Ça bouge doucement. Je me déplace. Il y a des racines. Derrière, il est dégagé presque. Presque. Ouais, dégagé un tout petit peu le devant. C'est le devant, ça touche. Ici. Du direct. Pas doucement là, pas doucement. Ah ouais, j'ai entendu quelque chose. Ouais, il peut y avoir des cailloux aussi. Il y a un truc devant là en ferraille. Ouais, ouais. Là, il y a un truc en ferraille devant. T'as encore quelque chose aussi là? Ouais, il y a un truc devant en ferraille. Je le sens là. Regarde avec le temps. Là. Ouais, voilà, il est là. C'est pas le casque, c'est autre chose. Ouais, ouais. Un 3 sur.
Possible, ouais. Alors, ce que vous entendez en arrière-plan, c'est la moissonneuse batteuse du propriétaire. On y va ? Allez, quand vous voulez, mes enfants. Vas-y, tout doux. Il est beau. Putain, ah ouais, il est super beau. Vas-y, tout doux. Vas-y, tout doux. Tout doux, hein. Super beau. Ah oui, pas super, mal. Super beau. Ouais. Ah ouais, en état. État. Nickel. Super. Elle est même pas abîmée, hein. Putain, un tout petit trou là à l'arrière. Oh, mais ça, c'est pas un peu normal, ça ? Putain, il est beau. Ça, c'est un trou qui a été fait, ça, hein. C'est ouais. Pas un trou... Il est beau. Ouais. Alors, montre-le bien. Tu veux pas le mettre sur ta tête ? Vas-y, fais comme tout le monde. Ouais. Ah, c'est obligé, hein. Ça, c'est au clan, t'es obligé. Ah, moi, je l'ai... Oh, regardez s'il est beau comme ça, encore un tracteur tout neuf. T'es content ? Oh oui. Dans la joie et la bonne ? Humeur. Bien, et ça, on va le dédier à tous nos abonnés. On vous le dédie, c'est bien. Allez. Je croyais qu'il y avait autre chose, mais en fin de compte, c'est un fil de fer. C'est un fil de fer. On va repasser un coup de pointeur. Ouais, on sait jamais, ouais, faut repasser un petit coup. Bon, bah, vas-y. Bon, bah, écoutez, pour nous, ça se termine sur une belle trouvaille. Hein, on va commencer directement par la trouvaille. Hein, regardez. Non, lève pas trop la main comme ça, ça pourrait nous. Ouais, méfie-toi, toi. Bon, bah, à bientôt, mon Farian. À bientôt, tout le monde. Nanou. À bientôt. Mon petit Bouzol. Retour à Bouzol. Très bien. Mon Christian. Pas de réclamation ? J'ai pas eu de gâteau aujourd'hui. Si, attends, à la maison il y a un flan. Non, mais à la maison il y a un flan que Florian il t'a amené. Hein ? Donc tu nous as dit que tu avais le temps là. Bon alors, on vous dit à tous, laissez vos commentaires. Gardez, tu fais du au revoir. Lui. Laissez vos commentaires, n'hésitez pas. Abonnez-vous si ça vous a plu. Alors on vous dit à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Ils sont du haut de la feuille, hein, vous savez. Allez, au plaisir.